Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur un nouvel épisode sur Dragon Ball Xenoverse 2 avec notre personnage que l'on a créé, un Saiyan que vous voyez ici, magnifique. Et donc on a vu la dernière fois, on avait attaqué le mode histoire, on avait fait la première épisode de la saga Saiyan, c'est-à-dire l'épisode avec Raditz. Et donc on va découvrir un petit peu plus ce jeu, on va faire donc des épisodes avec les différentes sagas qu'il y a dans le jeu. Donc on regarde, on jette un œil à la map. Donc on voit sur la map qu'on a plusieurs points intéressants à aller voir. Notamment en bas à gauche de la map, vers le quartier de Hercule, on a une quête des policiers du temps à faire, un événement d'histoire. Et puis dans la salle du temps, dans le nid du temps, on a deux événements d'histoire à faire. Les petites maisons roses que vous voyez sur la map, ce sont des événements d'entraîneurs, donc on a des héros de la série qui sont là pour nous apprendre des techniques. Je vous cache pas que je compte bien avoir Vegeta comme entraîneur, puisque je sais qu'avec lui je pourrais apprendre des techniques qui m'intéressent fortement. Pardon, excusez-moi. Et donc, non, c'est pas dans la salle du nid du temps qu'il y a des quêtes de l'événement histoire, mais là juste en dessous dans la zone commerciale. Alors on va aller y jeter un œil et puis on va aller voir ce qu'il en est. Alors c'est parti. Une capsule de puissance. Ok, merci, c'est cool. Alors là, on a deux autres PNJ là, qui sont là pour nous parler. Pour aller le geste, voilà, parce qu'on peut communiquer, faire des signes et tout ça. Yo. Ok, d'accord. Bon, je sais pas trop ce qu'ils veulent, eux. Non, ça c'est pour avoir les quêtes du mode. Donc là, oui, c'est faut aller parler au robot parce qu'il nous explique qu'ici on peut avoir les quêtes parallèles que l'on a dans le mode histoire que l'on peut refaire donc en ligne pour soi. Donc voilà, on va récupérer quoi. On va revoir la première quête ici, celle qu'on a fait tout à l'heure. On va la refaire, comme ça on validera et puis ça nous fera un peu d'XP. Et puis après on va aller voir ce qui va se présenter à nous. On va essayer de trouver au niveau des entraîneurs. Alors on voit déjà que j'ai avancé avec mon autre perso que j'avais commencé en live et qu'on a déjà débloqué quelques personnages déjà. Alors bien sûr, comme j'ai l'édition de précommande, l'édition deluxe, j'ai Black et Mirai Trunks. Ah du coup c'est... Non, en fait, effectivement, je dis des bêtises parce que les personnages, ils sont débloqués, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai pas les personnages que j'ai débloqués avec mon autre perso, donc bon, c'est pas très grave, c'est pas grave comme ça. Ça nous permettra... Du coup, je suis ressorti de la quête. Bravo, bravo, bravo. Allez, on sélectionne notre personnage, donc ça c'est un épisode déjà qui commence mal, mais on va se remettre un petit peu dans les clous. Alors je sais que beaucoup, enfin la plupart d'entre vous qui êtes abonnés à la chaîne veulent voir de la Formule 1 et pas du Dragon Ball, hein, mais c'est-à-dire que voilà, moi avant tout c'est que j'ai envie de me faire plaisir, hein, quand je fais mes vidéos. Et surtout, voilà, donc moi, Dragon Ball c'est une autre de mes passions, les mangas et tout ça, mais surtout ça fait partie d'une époque de mon enfance que j'ai vraiment adoré. Un manga de mon enfance, pardon.
Et du coup, voilà, j'avais envie de m'amuser. Là, le jeu vient de sortir. Je suis en train de m'amuser avec. Et du coup, voilà, j'ai envie de m'amuser. Je vais faire quelques épisodes là-dessus. Donc, cette semaine, pas de F1. Enfin, du moins, pas le Grand Prix de Silverstone. Mais bon, vous aurez votre dose de F1 avec le débrief des puputes qui sera donc mercredi 2. Enfin, donc pour moi, au moment où je tourne cette vidéo, ce sera demain, mais pour vous, ça sera déjà peut-être passé. Les vieux Kaioshin, active le portail. Donc oui, effectivement, aussi j'avais envie de mettre les musiques de la VO, enfin de la bande originale de Dragon Ball, mais j'avais peur de me faire striker par les copyrights de YouTube, et du coup j'ai préféré pas tenter le diable. Filin, tu es KO. Je vais t'achever. Non mais ils sont rigolos. Hein. Voilà, donc là on nous apprend que quand il y a un allié qui est KO au sol, on peut venir le raise. Selon l'angle de la caméra, on dirait que Krillin il a un coca. Et là ça y est, on a des ennemis à aller affronter. Salopou de Sayabaman. Ça c'est bien vu, ça, le coup du... C'est Yabaman que l'on prend et que l'on... à plusieurs, qu'on fait voler, ça me rappelle un peu le jeu sur PS3, Dragon Ball, merde, c'était quoi déjà? Bon bref, on y reviendra quand le titre me revient. Là-bas. Alors je sais que aussi par rapport à ces épisodes de Dragon Ball, très peu de commentaires et beaucoup moins de vues que la F1, ce qui est normal, je comprends. J'espère quand même que ça vous plaît. Ça change un petit peu. Ça fait une petite coupure avec les épisodes de F1, parce que entre Jeff et les Despiello, j'imagine que vous avez déjà votre dose. Après, comme on le dit, on a tous les trois un style différent et on peut pas s'amuser à... à faire tous la même chose.
Oh, c'est pas forcément très passionnant ces épisodes de Déficiel, on est obligé de se frapper un petit peu toutes ces. Toutes ces histoires là. Ah, il a bien reçu là. Il n'y a pas un autre qui traîne. Alors, on nous dit qu'il y a un adversaire battre. Il y a un chat. Et Tenshin Han. Il manque j'acquire un peu des techniques là, parce que honnêtement voilà, on a récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un badge, on a récupéré des capsules. Bon, c'est pas mal. Voilà, donc là, les quêtes parallèles nous expliquent hein, que ça permet de faire monter notre niveau de personnage si on n'arrive pas à passer les quêtes du mode histoire. Et que ça nous apporte aussi des points à force de prendre des niveaux que l'on va attribuer. Donc, par exemple, là on a 8 points à attribuer sur notre personnage. On va les mettre dans les attaques de base dans un premier temps parce que j'ai besoin que ça tape. En attendant d'avoir quelques nouvelles techniques. Et voyons voir, on va jeter un œil à la map. Et donc là on a vers le. Alors. Pour l'instant je peux pas voler. Donc on va utiliser le bâton de Tao Pai Pai pour aller dans le quartier du commissariat de police. Oups. Et dans le quartier du commissariat de police on a une quête qui nous attend. On a le vieux Kaioshin qui nous attend pour nous filer une mission. Et en fait, donc, comme on est policier du temps, ici, on va prendre deux niveaux, on va faire des quêtes qui nous permettront de devenir officiellement policier du temps, Donc là, on a des missions à faire pour gagner des points de compétences. Donc ça, on les fera plus tard, si on en a vraiment besoin. Mais pour l'instant, l'urgent n'est pas ici. Il faut qu'on retourne à la zone commerciale voilà, pour aller prendre la suite de notre aventure. Donc ça c'est un petit peu
dans toutes les missions de didacticielles en fait, hein, pour bien appréhender le jeu, découvrir comment fonctionne et comment est articulé ce nouveau hub qui est la ville de Cotton City. Et après, je pense qu'on va pouvoir s'atteler à une mission de la quête du mode histoire. Voilà, il y a la Kaioshin du temps qui nous attend là. Excusez-moi, monsieur. Voilà, donc là, on nous a expliqué un petit peu, type de Super 1, Super 1 modifié, le type de Kikua, type de Super 4. Ok. Et donc maintenant sur la minimap, on va aller au nid du temps, où on va avoir donc la prochaine épisode qui nous attend du mode histoire. Puis on ira voir aussi dans les différents endroits ce qui pourrait être intéressant pour nous au niveau des sensei pour apprendre des nouvelles techniques. Il y a Petit Cœur hein, qui m'intéresse pas mal. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer une des missions d'entraînement avec lui. Allez, enfin un combat contre Petit Cœur pour qu'il nous dise si on est apte à avoir droit d'être son élève, son disciple. Donc il veut nous apprendre à utiliser sa technique qui est l'explosion ultime. Et donc en fait, il faut qu'on l'essaye sur Piccolo. Voilà. Voilà, donc là il est content. Et donc on aura appris une nouvelle technique. Donc cette fameuse explosion ultime qu'on va vite se mettre en place dans nos techniques, parce que franchement les techniques de base que l'on a sont un peu pourries. Ah, c'est catastrophique aussi ces musiques dans ce Xenoverse 2. J'espère juste. Alors, c'est celle-là que j'aurais. Ah ouais, mais j'en ai déjà. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre le Garrick Gun ici. Le coup météore, je vais mettre. Kaioken Kamehameha, la super garde, attaque spéciale. Est-ce que j'en ai. Qui quoi. Explosion maléfique, ça c'est bien. Attaque ultime chez la sphère destructrice de Beerus. Et l'éveil. Ah, j'ai déjà l'éveil Super Saiyan. Et oui, parce qu'avec l'autre personnage, je l'ai débloqué avec comment ça s'appelle, Vegeta. Donc, moi, je vais l'utiliser. Hein. Bon, après, en technique d'évasion, on va laisser comme ça. Attaque ultime, ouais, Kamehameha enchaîné, retour, ouais, bon. Allez, on va partir avec ça. Et on va aller donc faire la quête du mode histoire. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Alors, c'est intéressant de parler au PNJ parce que régulièrement, ils nous donnent du coup des objets, hein, des capsules, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Puis, quand on trouve une boule bleue comme ça qui traîne par terre, faut pas aussi hésiter à aller les ramasser, parce qu'on peut du coup récupérer des objets qui peuvent nous être utiles. Alors, des capsules d'énergie, on peut en avoir besoin. Donc on va rentrer dans la salle du nid du temps pour aller refaire une nouvelle quête du mode histoire, et puis donc on se quittera là.
pour cet épisode et on se retrouvera sur un épisode suivant. Je vais faire des épisodes qui sont relativement courts, hein, pas besoin d'aller faire des trucs de dingue. Niveau recommandé pour la quête police du temps 5, ton niveau 4. Alors on peut faire deux types d'histoires, les histoires de la Terre et les histoires de Namek. Moi je vais me contenter de celle de la Terre pour un, dans un premier temps. Alors là ils me disent que j'ai pas assez de niveau hein, pour faire la quête du mode histoire. On va voir si je me prends une rouste. Hein. Donc là on est dans l'épisode des Saiyans au niveau du... quand Vegeta arrive sur Terre avec Nappa et puis l'armée de Freezer en fait. Hein. C'est vrai que pour l'instant, le personnage il tape un peu comme une mouche. Hein. Par contre, c'est relativement fastoche. On arrive bien à la right. Alors on arrive au seuil, on ne peut pas descendre plus. Donc on va attendre qu'ils aient fini de discuter pour qu'on puisse avoir la cinématique. Et donc la suite de la quête. Et Thalès, un des gardiens de l'espace aussi, hein, qui est encore une fois de plus un sosie de Sangoku, qui vient me pointer le bout de son nez. Et en fait, Thalès qui s'est associé avec Mira et Towa pour venir modifier le cours du temps et devenir finalement le prince des Saiyans qu'il aurait dû être toutes ces aventures n'étaient pas arrivées. Si sa planète n'avait pas été détruite. Mon Thalès hein, qui est en mode un petit zizi là, parce que honnêtement il est vraiment très faible. Plus tard dans le mode histoire on va vraiment avoir affaire à un personnage qui sera de vite débarré. Ah, dommage là, j'avais un qui est pas mal de coups. Après dans le prochain épisode on va aborder tout ce qui est quête annexe au niveau des lieux qui sont sur la map, tels que la maison de Satan, la maison de Bobo, le vaisseau de Freezer, qu'est-ce qu'on a d'autre, la maison de Tout Puissant. Et puis la capsule corps, enfin la maison de Vegeta.
Ah oui, c'est toujours pareil, j'ai pas une technique, je le dash, tout simplement. Ça c'est dommage quand t'as un Hippo qui passe à côté. Voilà, il l'a pris en pleine gueule, le Garingan. En même temps, là, dans cet épisode-là, il se défend pas. Hein. Et donc, la Thalès qui se retire, parce qu'en fait, il voit notre personnage arriver, le personnage qu'on avait dans Disney Universe 1, notre plus gros perso, hein, qui est donc le héros que l'on a mis au milieu de la ville dans Xenoverse 2. Donc, il vient. Et c'est marrant de voir donc les deux donc héros qui se croisent. Et donc Goku et notre perso qui partent à la suite de l'aventure avec donc Nappa hein, qui va s'attaquer à Krillin et Gohan. Vegeta qui s'est toujours pas mêlé au combat. Vegeta qui est quand même un personnage à double tranchant. Hein. On pourrait penser qu'il a un personnage, c'est un personnage avec un esprit faible. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand on regarde, il a dans Xenoverse 1, et donc là dans Xenoverse 2, il se laisse manipuler par Mira et Towa pour gagner en puissance. Mais dans la série, il se fait aussi manipuler par Babidi quand il est en retard sur la puissance de Sangoku, et tellement il a envie de battre Sangoku qu'il en est prêt à accepter de se faire manipuler, bien sûr partiellement, par Babidi pour gagner en puissance. Donc Nappa, c'est fait. On va vite intervenir sur Vegeta avant que Sangoku ne laisse des plumes, parce que là, déjà Sangoku ne reste pas beaucoup de vie. Ah dommage Vegeta, je voulais te faire voir ce que ça faisait de technique. Mon père se retourne contre toi. Est-ce que ça te pique un petit peu? Donc là, on les a bien roustés. Hein. Et donc là, hein, comme on a l'habitude dans le mode histoire, à chaque fois, toujours la même rengaine. C'est-à-dire que Vegeta et... Enfin, Vegeta, normalement, dans la série, c'est à ce moment-là, lorsqu'il se fait avoir par le Kamehameha de Goku, qu'il invoque une lumière proche de la lune pour se transformer en gorille géant.
こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、はじけて戻れ。そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。Alors on nous explique dans le tutoriel qu'il faut aller taper des gorilles jusqu'à faire descendre la barre qui est en dessous de leur barre de vie. Et une fois que c'est fait, il suffit de se mettre en protection, enfin pour faire une chope en fait, hein, sur la queue du gorille pour finalement le faire voler. Donc bah ça c'était un coup pour rien. Voilà. Voilà, il suffit de réduire son endurance à néant. Et c'est le seul moyen qu'on en a d'attaquer d'ailleurs. Une pipe, moi pas une bonne. Faut que je regarde, hein, que je ne pense pas avoir. Nappa qui a bien sûr bien moins de vie que n'en a Vegeta. Donc on va tenter d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour par contre qu'il nous balance ses attaques reçoit. Bon, c'est à nous aussi de faire en sorte de lui mettre bon. Bon, Sengoku est toujours debout, c'est déjà pas si bon. Ça va être long. À se couper avec les... Pas
pas falloir se couper sur la vie, il va falloir que je mette de la capsule d'énergie s'il en faut. Voilà. Une chose de faite. Il reste plus que Vegeta maintenant. Un Ozaru. Ah, d'accord. Ah, oui, l'attaque directe. Ah, mais s'il fait toujours cette attaque en même temps. J'apprends à utiliser aussi un petit peu. Watch. Allez. On est bientôt dans le cirage. Le sens d'être long. Surtout que Sangoku va bientôt succomber. Dommage.
Là j'ai un souci, c'est que j'ai plus de vie. Donc là à mon avis je vais me faire wrecked. Voilà. Bon, bah donc du coup il faut que j'arrive à battre l'autre Zalo. Mais je vais m'y atteler. Parce qu'à mon avis, il faut que je fasse monter un petit peu mes points de compétences. Bon, on va arrêter là l'épisode pour cette fois-ci, parce que ça fait déjà 42 minutes. Je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures sur Dragon Ball Xenoverse 2. Allez, à tout de suite. À tout de suite, à très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous.